Salut à tous, c'est Gros, on se retrouve sur Distance, qui est un jeu de course inspiré de Nitronic Rush, même plus qu'inspiré, hein, c'est Nitronic Rush, mais en plus poussé, et en payant, parce qu'avant c'était gratuit. C'est un jeu qui avait très bien fonctionné, donc il y a une très grosse communauté derrière ce Distance, toujours en accès anticipé, mais regardez, il y a déjà plus de 1200 niveaux créés par la communauté, ce qui est assez dingue. D'ailleurs, les développeurs suivent vraiment la communauté, ça fait plaisir. Par exemple, là, vous voyez, il y a des highlights, c'est-à-dire qu'ils mettent les niveaux en valeur de la communauté. Donc voilà, ça fait plaisir. On va tout de suite nous faire de l'arcade, faire un solo. Vous voyez les modes de jeu qu'il y a, il y a split screen online. Il y a plusieurs modes de jeu à chaque fois. On va faire sprint, on va faire une map de la communauté que j'ai jamais essayé, qui est Striker. J'essaie de la lancer quand même pour voir si ça marchait, ça marche, donc tant mieux. Et on va voir, c'est un jeu de, comment dire, de course, mais vraiment étrange. Je sais pas trop comment vous décrire ça. Si vous avez pas joué à Nitronic Rush, vous pouvez toujours aller essayer. Le jeu doit toujours être sur internet, hein. Toujours gratuit. Ok, donc là, faut que je tourne. Voilà, c'est un jeu de course où vous devez gérer la voiture aussi bien dans les airs qu'au sol. Si vous voulez vous en sortir. Elle a aussi des petites ailes que vous verrez après, des petites ailettes. Qui nous permettent de voler de temps à autre. Ok, je vais peut-être arrêter quand j'entends ce bruit là. Ça fait penser au bruit de MotorStorm d'ailleurs. Et merde, là je voulais pas sauter. Attention quand vous sautez comme ça. Moi ça m'arrive tout le temps. C'est que on saute. Et en fait on se rend pas compte que par exemple là si je saute dans le virage, vous vous rendez bien compte que je vais tomber dans le vide. Donc il faut que je fasse gaffe toujours au sens dans lequel je suis, mais on n'y fait pas toujours attention. Bordel, je suis chaud là, c'est bon. Ok, merde, merde. Aïe. Ah oui. Ok, bon, c'est pas grave, on y va. J'ai déployé mes ailes sans faire exprès. C'est assez tragique. Oui, aussi que les niveaux s'animent en fonction de la musique. Enfin, les éclairages en tout cas. Voilà, là je peux voler. Je peux faire des tonneaux et tout ça pour. Oh la connerie! Pour avoir plus de points, mais bon. Je m'en sors déjà pas assez bien là. Normalement, pour pouvoir tenter ça. Ah, vous voyez là? Là, je me suis bien fait niquer par la gravité. Et hop! C'était chaud. C'est super dur d'orienter son véhicule quand on vole, parce que en fait c'est le stick de droite pour faire bouger comme ça là, faire des tonneaux et tout ça, et le stick de gauche pour bouger dans l'espace. Mais c'est chaud quoi, d'arriver à faire les deux en même temps. D'ailleurs, si vous avez pas de manette, rip. Oh merde, on peut tomber. Oh, c'est pas grave, on revient. Oh. Putain, ce niveau est génial, créé par un membre de la communauté, c'est ouf. C'est super beau. Alors bien sûr aussi c'est un style graphique propre. Vous allez voir, on va le voir ensemble d'ailleurs. Faut bien... Je vais exploser. Ah, la recharge. Non, c'était pas ça, je devais pas aller là, où je vais là? J'étais censé aller là, si, il fallait que j'aille à droite là. Il a craqué sur son niveau. J'ai l'impression de rouler sur des immeubles. Pas que je m'en plaigne, mais... Oui. Y'a du sol là? Oui, ça va. Oh, le mur. Attention. Vous remarquerez que je suis un peu concentré pour ce jeu. Oh. Ah, je suis dead. Non. Je veux pas mourir. Bon, on peut appuyer sur back pour voilà, nous épargner cette vision d'horreur. J'ai arrêté d'utiliser le boost quand j'en avais pas besoin, parce qu'après Ok, bon là j'en ai besoin, que ce soit clair. Hop, on s'accroche là. Attention au boost, j'ai pas envie de tomber encore. Hop. Merde. Merde. Je me trompe de touche. Bon, le but c'est de faire le meilleur score possible. Ah, j'étais à la fin en plus quoi. Pas possible ça. La goette. Raid Striker. Hop. Je mets une bonne note parce qu'il était vraiment cool. Next falling through the sky. Oui. Allez. J'y crois. On va voir ce que c'est. Oula, est-ce que c'est un niveau de la communauté que j'ai téléchargé aussi? Parce que j'en ai pris plein. Enfin plein, j'en ai pris 6 quoi. Oh. Ah, c'est génial. Ok, j'ai pas de boost. Enfin j'ai pas de boost, j'ai pas de... Oh, il est super beau, mais par contre... Est-ce que je peux... Attendez, est-ce que je peux me raccrocher au truc? Oui, alors en fait je m'étais pas expliqué, je m'étais mal expliqué tout à l'heure. Mais ce qui est dur en fait d'orienter le véhicule, c'est que... Comme c'est le cycle de droite, on peut pas appuyer sur le boost en même temps. C'est n'importe quoi là, j'arrête là. Génial ce niveau. Excellent. Bon. Allez. Ah oui. Oh, merci mon dieu. Ça va être chaud. Il y a des checkpoints, hein. Donc vous êtes sûrement rendu compte quand je suis tombé tout à l'heure de toute manière. Ouh. Facile.
Oh! Ouh! Ok, là faut que je fasse les ailes. Je pouvais pas tout à l'heure. Vous voyez, on peut faire des petits tonneaux, ça fait des points. Bon là, c'est chaud là. Je sais pas si j'arriverai au bout. Oh, oh, ce niveau là, c'est de la roublardise personnifiée. Oh! Ok, je me suis fait bloquer par un rouleau compresseur. Oh, oh, oh. Ça sert à quoi les trucs sur les murs? Est-ce que c'est des bonus que je peux prendre? Je n'ai aucune idée pour être honnête avec vous. Oui. J'adore ce niveau. Il est complètement dingue. Oh! J'ai cru que j'allais crever, pardon. Excusez-moi pour... Oh, aux oreilles. Oh, c'est chaud. Oh là, c'est quoi ça? Des scies circulaires? Vous pouvez pas m'arrêter? Oh! Ce qui est drôle, c'est que votre véhicule peut se faire découper par ces lasers. Et des fois ça fait des trucs vraiment drôles, par exemple vous avez tout le haut du véhicule qui est coupé. Mais comme vous avez le bas, vous pouvez continuer à rouler, ça n'a pas de sens. The old days. Ah oui, on passe d'une map à l'autre que j'ai téléchargée. C'est bien parce que ça vous montre un petit peu les possibilités offertes par le jeu. Tant vous dire que 1200 niveaux, vous avez de quoi faire. J'imagine bien qu'il doit en avoir des pas terribles, mais... Donnez-moi cette qualité quoi, ça se fait par des utilisateurs, c'est dingue. Je sais pas à quel point c'est facile de le faire, j'aimerais bien voir parce qu'on a un level editor. Je ne m'abuse. Je suis presque sûr, mais bon, je préfère me couvrir en disant que je suis pas sûr. Hop, facile. La prise en main peut être assez rude. Hein. Moi, j'avais bien joué au Nitronic Rush et celui-là, j'avais déjà fait en fait toutes les. Ok, clairement. J'avais déjà fait toutes les courses en fait faites par les développeurs, là, les courses de la campagne. C'est pour ça que j'y arrive pas trop mal, mais. Facile. Pour notre héros, hop là, il se permet. Ouh, je sais pas si c'est une bonne idée, mais. Oui, les lasers. Je les voyais pas trop. Hop. Hop, oh, putain. J'aime pas quand ça s'enchaîne comme ça. Faut des réflexes de fou. Je vais aller en bas, je suppose, en haut. Ouh, là, à droite. Non. Je suis pas mort, incroyable. Oh, putain. What? Ok, la chute était inévitable à partir de ce moment-là. Ah, merde. Allez, perds pas de temps. On en perd quand même, vu que je fais le débile. Bon, y a des choses, des chauds. Des sauts, ça se joue vraiment en millimètres. Oh putain, c'est chaud là. Mais je peux voler donc ça va. Oui, j'adore ces effets de warp un petit peu à la Crash Bandicoot là. Bon, voilà. Ça m'amuse. Ou ça vous fait pas rire, mais. C'est pas grave. Je comprends bien qu'on n'est pas compatible. Enfin bon, je me demande pourquoi vous continuez de regarder mes vidéos si vous me détestez autant. Il est plutôt long en plus ce niveau. Oui. Bonjour les hélices, chelou. Bon, je vais continuer à voler au-dessus du niveau hein, si je peux me permettre. Je vais le faire. Oui. Je sais plus à combien est le jeu par contre, je suis désolé. Moi je l'ai eu il y a un moment. Je suis désolé. Ça doit pas coûter plus de 15 euros, je pense. Je vois pas ça coûter plus de 15 euros. Oui. Après, moi je trouve ça, j'aimerais aussi parler de ça. Je trouve ça. Honnête, quand il y a un jeu qui est gratuit et qui a autant de succès que les développeurs aient envie de poursuivre le projet. Je veux dire, ils sont pas contentés de juste faire un remake en ajoutant rien. Là, ils sont vraiment en train de bosser sur le jeu. Je veux dire, ils poussent vraiment le jeu. C'est pas juste un remake pour histoire de ramasser l'argent en fait qu'ils auraient dû avoir avec le jeu gratuit. C'est vraiment quelque chose de sérieux. Et moi, ça me fait plaisir pour ces développeurs. Parce que clairement, le jeu de base était vraiment cool. Ça méritait, ça méritait quoi qu'ils le vendent. Je veux dire, on parle pas là d'un remake de Age of Empires 2 où ils disent que c'est HD parce qu'ils ont mis la résolution 1920x1080. Non, là. Là, c'est vraiment un jeu qui est retravaillé. Bon, alors là, ils ont essayé de faire une forêt, je suppose. Redwood Park. Beautiful California. J'aime bien la texture de la route. Est-ce que je peux voler? Ouais, je peux. Oh! Ah, d'accord, ok. On arrive à San Francisco tranquillement. Peut-être pas. Oh! J'allais dire, je vais peut-être pas me prendre le milieu du pont, mais si. Merde, je voulais pas faire ça. Et c'est pas trop mal fait, hein. Je veux dire, pour un moteur qui a rien à voir. Trick timed out. Ah merde. Qu'est-ce qui m'empêche de faire tout le jeu comme ça, là? Faire des milliards de points. Hop là, je suis une petite ballerine. Ce niveau est sympa, mais. Oh! 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 Il est sympa, mais bon, c'est pas trop dans l'esprit du jeu, quoi. Oh, mais d'accord, c'est vraiment une visite guidée de la Californie, Death Valley. Ah, il s'est donné le mec, quand même.
Ah, oh, ils ont cassé mon beat. Beat par Dre. Oh là, les voitures en face là. Ah, d'accord. Hop, on a une vue, voilà, à l'intérieur, et c'est vraiment sympa. Oui. Ah voilà, Cursed Mountain. On va essayer Cursed Mountain, tiens, avant de faire du online et que je me fasse rec par tout le monde. Hello, it's Lemmy. On va juste enlever motion blur. Ça tend à me saouler, moi, dans les jeux, le motion blur. Vous voyez qu'il y a des options aussi pas mal, comme Stylized Outlines, ça fait un... Est-ce qu'on va essayer, tiens? Allez, on essaye. On va voir, pour un effet stylisé. Ah d'accord, ça fait un effet BD un peu. Ah, c'est pas mal. Je vais enlever par contre, parce que j'ai respecté quand même le niveau de la personne qui... Enfin, le niveau de la personne qui a créé, ouais. C'est bon. Hop. Oui, voilà, j'ai enlevé motion blur, parce que sinon... voilà. Voilà, quoi. On va se remettre comme ça, c'est plus simple quand même. Ah, c'est très atmosphérique ce niveau. Ok. Attention, oh, c'est génial ça. Non. Non, non, non. Bien essayé, Do. Oh merde, non, non. Oh. Oh putain. J'ai peur pour la suite. Merde, mon boost. Non, ça va, ça régénère. Hello. Wallride. Comment ça, Wallride? Oh. Je suis où, du coup? Ok, on va faire ça. Je sais plus du tout où je suis. Ah d'accord, en fait je me suis totalement retourné parce que là je me suis pas rendu compte dans quel sens j'étais. Ok, donc là je monte sur les immeubles, d'accord, c'est pour ça que c'est un wall ride. Attention, c'est un piège. It's a trap. Easy. Oh, oh, c'est tellement classe. Non, on va peut-être pas exploser. Yep. Ah, je change de couleur. Qu'est-ce qui m'empêcherait là d'aller tout droit et voler? J'aurais pas assez de boost peut-être. Je pense que le sol me tue. T'as la route là par contre, elle m'inspire pas confiance, elle a pas assez large à mon goût. Bon, c'est pas grave, y'a trop de skills par ici, vous le savez de toute manière. Un surplus de skills inadéquat à ce genre de jeu. Oui. Il se permet tout. Il n'a peur de rien. Oh là, oh là, oh là, oh. Oh merde. Bah oui, mais fallait me le dire aussi, hein, bon. Ça va être chaud, là. Ah, putain, j'y arriverai pas, là. Ça va être beaucoup trop chaud, là. Ah, bordel! Non! J'y arriverai pas, maman. Ah! Ah! Oh non! Je me suis trompé de touche! Mais quel connard! Oh, le tryhard, là! J'ai jamais autant de tryhard là. Non, c'est pas vrai. C'est très mec. Environ une fois par vidéo. Vous êtes obligé de me subir en train de tryhard. Eh, attention, attention. Non. Non. What? Non, j'étais encore sur le bord. Mmh. Ça avait pas de sens. Facile. Freine, freine. Oh là là. Il nous régale, regardez, regardez cette galerie qui est régalée. Oui. Oh, oh, le dernier petit saut. Saloperie de mec qui a fait la carte. Facile. Elle était cool cette carte. Bon allez, c'est parti. Maintenant, les choses sérieuses. L'online. Hello. Alors, arcade online. Ah, alors player server. Je peux vous rejoindre ou je veux dire c'est à quelqu'un? J'ai pas envie de rejoindre. Sans patate. J'ai pas envie de rejoindre les. Les gens si. Bon. Ah, y'a un passeport. Y'a un passeport, y'a un mot de passe. Oui, bah ça va. Où est-ce que je peux aller? My server. Private. Public. Ah, mais y'a un mec dessus quoi. Ouais, non, c'est dommage. Je pourrais pas faire d'online, y'a pas assez de serveurs. Ok. Regardez le level editor, tiens, je vais voir à quoi ça ressemble. Voilà, quelle erreur. Quelle erreur. Jamais il n'aurait dû cliquer sur Level Editor. Hello. Alors, comment ça fonctionne? Battery Building. Ah d'accord. Ok, ça c'est Battery Building. Ok, il est géant en fait. Salut, c'est Battery Building. Il est tellement gros, ça n'a pas de sens. Roads. Alors, les roads.
D'accord. Ouais, non, c'est bien. Je peux vraiment tout construire de A à Z. Ça n'a pas l'air non plus excessivement compliqué. Je veux juste voir un truc. Est-ce que... Oh, bordel. Est-ce que les routes... Ah oui, elles se clipsent entre elles comme ça. Ok, très bien. Ouais, donc c'est vraiment tout le monde, en fait, qui peut créer des niveaux. C'est sympa. Ah, et ça se met à la suite ? Ah non, pas du tout. Si, j'ai l'impression, non, ça se met à la suite. Oui, ça se met à la suite tout seul, en plus. Vous avez juste à regarder et à faire, quoi. Bon, écoutez, voilà, on aura vu cet éditeur. Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. Ça n'a pas de sens de... Oh, shit ! Ok, bon, on s'arrête là. Du coup, j'ai quitté le jeu sans faire exprès. J'espère que ça vous a plu. C'est un jeu très sympa. Maintenant, il manque un peu de contenu des développeurs. Mais il y a pas mal de contenu des joueurs. Comme vous pouvez voir, le contenu des joueurs est extrêmement qualitatif. Est-ce que j'ai l'impression. Enfin, l'impression que j'en ai. Et voilà. Attendez, je regarde le jeu, là, le prix. Du coup, il est à 20€. Ouais, le jeu à 20€. 20€, pour moi, c'est vraiment la limite des jeux en accès anticipé. Ça commence à faire vraiment cher, 20€. Bon, je sais pas si je peux vous le conseiller, c'est à vous de voir si ça vous a vraiment, si c'est un coup de cœur, vous pouvez vous le prendre. Et sinon, tant pis. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à plus pour d'autres, et salut. Je vais avoir ce con, comment ça se passe, là. Ah là, une petite hachette dans ta tête, ça arrive. Et une flèche, voilà. Comme la moitié des gens de la mythologie, tu péris par une flèche.